All rice. Oui, vous l'avez. Mollement stanite. Verwa, you don't have to. La présidente. Très bien. Il n'est pas nécessaire de recommencer la présentation des parties, n'est-ce pas? Vous pouvez vous asseoir. Au moment où nous nous sommes arrêtés, avant la pause, la défense a commencé à présenter ses arguments. Et d'après ce que j'ai noté, vous avez encore 2 heures et demie à votre disposition. Et ce volet de l'audience durera 1 heure jusqu'à 12h30. Vous pouvez poursuivre. Maître Ivetic, merci, Madame la Présidente. Avant de commencer, pour que cela soit consigné au compte rendu, pendant les premières 25 minutes de la pause, je n'étais pas en mesure d'avoir des communications téléphoniques avec mon client parce qu'il y avait des problèmes techniques qui n'ont pas été résolus. Merci. Et le juge Niambe, excusez-moi, pouvez-vous répéter cela encore une fois, Maître Ivetic? Pendant les premières 25 minutes de la pause, il n'y avait pas de ligne téléphonique me connectant à mon client. Donc, pendant une moitié de la pause, je ne pouvais pas parler avec mon client. Mais maintenant, ce problème a été résolu. Le juge Niambe. Très bien. Je pense que nous pouvons ajouter ce laps de temps au temps octroyé à la défense. Cela veut dire que vous allez 1h25 pour ce volet de l'audience. Vous pouvez poursuivre. Oui, Maître Ivetic, pouvez-vous nous dire ce que vous avez voulu dire? La juge Niambe, excusez-moi, Maître Ivetic. Pouvez-vous clarifier le dernier point, puisque nous n'avons pas très bien compris, la juge Niambe. La réception audio n'est pas claire. Si j'ai bien compris, vous avez dit que vous aviez perdu 25 minutes de votre temps qui vous a été octroyé, puisque vous n'avez pas eu de communication avec votre client. Est-ce correct, Maître Ivetic? Non, Madame la Présidente, pendant la pause, je ne pouvais pas avoir des communications privilégiée avec mon client puisqu'il avait des difficultés techniques. Donc, pendant 25 ou 27 minutes, je ne pouvais pas communiquer avec mon client par rapport à 1 heure de la pause. La juge Niambe, bien, donc, pendant la pause, vous avez perdu 25 minutes du temps que vous avez pour parler avec votre client pendant la pause, n'est-ce pas, Maître Ivetic? C'est correct, Madame la Présidente. Le juge Niambe, est-ce que vous voulez consulter votre client avant de poursuivre? Maître Ivetic, non, Madame la Présidente, nous pouvons poursuivre. J'ai voulu justement que cela soit enregistré au fin du compte-rendu. La juge Niambe, très bien, vous pouvez continuez, Madame Bagot. Madame Bagot, Madame la Présidente, avant la pause, je me suis adressée à la Chambre pour dire pourquoi une défense générale par rapport au contre-interrogatoire n'a pas pu corriger ses erreurs sans avoir de notification et de précision concernant des crimes reprochés. Nous n'avons que la possibilité de procéder à une défense générale et cela ne peut pas donc attaquer des accusations individuelles. Et pour ce qui est du contre-interrogatoire, on ne peut pas que mettre en cause la thèse de l'accusation sur un incident lorsque la défense est au courant des circonstances précises et de quoi il s'agit et lorsque la défense peut prendre des instructions là-dessus. Et en l'absence de notification préalable, ces erreurs ne peuvent pas être corrigées. Les erreurs commises par la Chambre de première instance, le préjudice donc apporté à M. Mladic repose sur le fait que ces allégations ont été transformés par la Chambre de première instance en incidents non répertoriés et non nommés au stade du jugement. Par conséquent, pour la défense, il était trop tard de préparer sa défense concernant ces faits
par rapport aux incidents qui sont répertoriés ou non répertoriés dans les annexes à l'acte d'accusation. C'est pour cela que M. Mladic a été tenu pénalement responsable pour ces faits ou incidents non répertoriés, non nommés, qui constituent des éléments des crimes contre l'humanité, la terrorisation, les attaques illégales et les persécutions. La Chambre de première instance a tenu compte de cela lorsqu'elle a déterminé le degré de sa responsabilité. Pour ces raisons susmentionnées, j'invite la Chambre et l'appelant invite la Chambre d'annuler les conclusions concernant les crimes visés au paragraphe 48 du mémoire d'appel. Maintenant, je passe au moyen d'appel numéro 2. L'appelant soutient que, premièrement, il y a des raisons impérieuses et convaincantes pour que la Chambre se penche à nouveau à l'affaire Caremera pour déterminer si la Chambre de première instance a commis une erreur en dressant le constat judiciaire des faits concernant des proches subordonnés de M. Mladic. Également, l'appelant considère que la Chambre a commis une erreur en appliquant le critère restrictif en matière d'éléments de preuve en réfutation. Également, l'appelant donc soutient que les éléments essentiels concernant l'affaire de Caremera se trouvent au paragraphe 62 à 95 de la mémoire d'appel et au paragraphe 16 à 19 de la réplique. Dans la TPR, la Chambre d'appel a considéré que dans sa décision interlocutoire dans l'affaire Caremera, que les faits concernant le comportement des auteurs matériels des crimes pour lesquels l'accusé a été tenu pénalement responsable, peuvent faire l'objet d'un constat judiciaire. L'appelant considère que les conclusions dans l'affaire Galic tirée par la Chambre d'appel sont pertinentes par rapport à la décision en conformité de l'article 92 bis, ainsi que dans la décision interrogatoire dans l'affaire Milosevic par rapport à ses instructions, et considère que la Chambre ne devait pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de ce contexte spécifique. Dans la décision dans l'affaire Galic confirmant l'article 92 bis, donc la Chambre a considéré que l'admission des éléments de preuve concernant le comportement de proches subordonnés et d'immédiats subordonnés de l'accusé n'est pas juste lorsque on le reproche cela en vertu des éléments de preuve concernant l'article 7.1. Et les crimes qui ont été commis par ces subordonnés, en fait, sur les bases de ces éléments de ces crimes, la Chambre a tiré la conclusion selon laquelle l'accusé savait ou avait les raisons de savoir que ces crimes étaient sur le point d'être commis ou étaient commis par paragraphe 14. Donc, dans ces situations particulières et délicates, il faut donc que la Chambre fasse plus d'attention concernant l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Dans l'affaire Galic, la Chambre n'a pas défini des subordonnés proches et des subordonnés immédiats de l'accusé par rapport à son rang, par rapport à l'accusé, mais plutôt sur la base de leur comportement qui était si généralisé qu'il n'y avait pas, que souvent la déduction était tirée selon laquelle pour l'accusé n'était pas possible de savoir ou que ces crimes étaient commis ou entendu parler de ces crimes et que l'accusé n'était pas conscient des objectifs de ses subordonnés. Ce lien était donc suffisamment crucial pour la thèse de l'accusation concernant la responsabilité, mais ce n'était pas juste pour l'accusé de présenter ça par écrit puisque la défense n'a pas eu l'occasion de les contester. Paragraphe 15. Dans le même sens, mais spécifiquement dans le contexte des faits jugés, la Chambre d'appel dans l'affaire Milosevic, dans sa décision, a estimé que, je cite, bien qu'il est possible de dresser un constat judiciaire de faits jugés concernant l'existence des crimes, l'élément matériel, l'élément moral qui étaye la responsabilité de l'accusé pour les crimes en question peut être prouvé par d'autres moyens que par le fait de dresser un constat judiciaire de faits jugés. C'est au paragraphe 16. Ici, il est fait une distinction entre les faits jugés qui donc étayaient l'existence des crimes commis par d'autres personnes et pour lesquels
l'accusé n'a pas été tenu responsable, au paragraphe 16. Par conséquent, les deux chambres d'appel ont constaté que si le lien entre l'accusé et le crime commis était tel que la responsabilité de l'accusé pouvait être facilement être déduit sur la base de déclarations notamment non vérifiées ou sur la base de faits jugés, alors l'accusation aurait dû établir cela en convoquant des témoins dont le témoignage pouvait être contesté par la défense. Donc, c'est une question concernant le concept qui n'a pas été abordé par la chambre d'appel dans l'affaire Karemera et le fait que la chambre de première instance dans l'affaire Malic s'est appuyée sur cela l'a conduite à commettre cette erreur dans le jugement. Il est dit que la chambre de première instance donc adressait le constat judiciaire des faits concernant les activités criminelles menées par ceux qui, selon l'accusation, étaient les subordonnés de Mladic et elle a constaté qu'ils étaient responsables pour ces activités criminelles. Madame Bagot, je m'excuse d'avoir parlé trop vite. Le greffier d'audience, est-ce que Madame la Présidente est en mesure de nous entendre maintenant? La juge Nyambe, excusez-moi. Le greffier d'audience, est-ce que la connexion fonctionne à nouveau? Il apparaît que oui. La juge Nyambe, oui, nous pouvons poursuivre. Madame Bacon, Madame la Présidente, pouvez-vous me dire ce que vous avez entendu avant que la connexion n'ait été interrompu. La juge Nyambe, vous avez commencé à parler du moyen 2 ou du chef 2, Madame Bagot. Mais vous ne savez pas où je me suis arrêtée dans le cadre de ce chef 2. La juge Nyambe, vous pouvez poursuivre
à partir du moment où vous êtes arrêtée, Madame Bagot, Madame la Présidente, je suis consciente du fait que d'autres juges, et en particulier des personnes présentes dans le prétoire, ont entendu jusqu'ici mes arguments, et je suis consciente du fait que la connexion a été coupée à un moment donné, et vous avez peut-être ne pas pu entendre une partie, la juge Niambe. Je ne peux pas vous aider puisque j'ai des difficultés à vous entendre ou entendre d'autres juges. Donc, je m'appuie sur le compte-rendu et je suis en mesure de suivre ce qui est dit dans le prétoire. Mais pour le moment, je n'ai pas cette possibilité. Madame Bagot, je vais me poursuivre à partir du moment où je me suis arrêtée et tout ce que je vais dire sera enregistré au compte-rendu. Le Juniambé, très bien. Madame Bagot, à titre d'exemple, je fais référence pour la Chambre à l'incident du 23 juillet 1995 au paragraphe 22-10 du jugement. La Chambre de première instance a dressé le constat judiciaire d'un certain nombre de faits jugés par rapport à la possession par le corps de Sarajevo Romania des bombes aériennes modifiées entre l'août 1994 et le novembre 1995 et par rapport à un incident de pilonnage ou de bombardement ce jour-là. En fait, il a été dressé le constat judiciaire du fait que, je cite, une bombe aérienne modifiée a été lancée du nord-ouest du territoire contrôlé par le corps Sarajevo Romania. C'est au paragraphe 22-10, note de bas de page 93-85, le fait jugé numéro 28-71. Sur la base seule de ce constat judiciaire, et non pas sur la base des éléments de preuve de l'accusation, la Chambre a conclu que, je cite, un membre ou des membres du corps de Sarajevo Romania a lancé ou ont lancé une bombe aérienne modifiée ce jour-là et tué deux civils en blessant beaucoup d'autres, en les blessant grièvement au paragraphe 22-12. Et je vais m'arrêter là. Selon la thèse de l'accusation, M. Mladic était l'officier le plus haut placé au sein de la VRS. Et il a contribué de façon considérable à l'accomplissement des objectifs de l'entreprise criminelle commune, principalement en utilisant les forces de la VRS. C'est dans l'acte d'accusation au paragraphe 13. Concrètement, il s'agit du corps de Sarajevo Romania. Et l'accusation a dit que ce corps, je cite, a mis en œuvre les ordres de M. Mladic en procédant au nettoyage ethnique des municipalités et en répandant la terreur parmi les civils de Sarajevo en menant la campagne de pilonnage et de tir isolé. C'est aux mémoires en clôture de l'accusation au paragraphe 102 et 103. Dans la lumière de cela, le fait jugé a établi que les crimes qui auraient été commis par les présumés subordonnés de M. Mladic et vu la thèse de l'accusation selon laquelle Corps Sarajevo Romania mettait en œuvre les ordres de M. Mladic étaient utilisés en tant qu'instrument pour accomplir les objectifs des entreprises criminelles communes, ce fait jugé concernant l'identité de l'auteur était essentiel pour la thèse de l'accusation concernant la responsabilité de Mladic. Malgré cela, la Chambre de première instance a dressé un constat judiciaire de ce fait en absence d'éléments de preuve de l'accusation qui donc pourrait établir la responsabilité du corps Sarajevo Romania pour cet incident. Selon l'appelant, cet exemple démontre l'erreur commise par la Chambre de première instance parce qu'elle s'est appuyée sur l'approche adoptée dans l'affaire Caramera. La Chambre de première instance considère qu'il n'y avait pas de limite concernant le constat judiciaire de fait dans le contexte concernant le comportement d'autres membres de l'entreprise criminelle commune ou concernant d'autres auteurs matériels des crimes. C'est seulement un exemple où la Chambre de première instance a adopté cette approche concernant
des présumés proches subordonnés de M. Mladic. L'appelant invite la Chambre à se pencher sur d'autres exemples identifiés au paragraphe 107 et 108. Il est important de voir comment d'autres chambres de première instance ont exercé leur pouvoir discrétionnaire pour mettre en exergue des pratiques divergentes dans ce sens-là. Je fais référence pour la Chambre au paragraphe 69 et aux notes de bas de page 97 et 98 du mémoire d'appel. À cet égard, il y a généralement parlant deux approches qu'on peut donc trouver dans la jurisprudence, l'approche dans l'affaire Caremera et l'approche dans l'affaire Milosevic. L'exemple dans l'affaire Milosevic concerne l'approche qui a été adoptée par la Chambre de première instance dans l'affaire Stanisic et Jupianin. Les juges de cette Chambre ont conclu que, je cite, ou quand un fait proposé concerne l'essentiel de la thèse de l'accusation et concerne le comportement d'autres personnes dont les actes criminels et les omissions sont reprochés à l'accusé, la Chambre de première instance va néanmoins exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser de dresser le constat judiciaire si elle considère que cela allait contre l'intérêt de la justice. Paragraphe 41. Dans la lumière de la thèse de l'accusation dans l'affaire Mitcho Stanisic et Jupianin, à savoir que ces deux personnes, dans leur rôle de ministre de MOUP de l'ARS et du chef du Centre de services de sécurité régionale de Banja Luka, ont commis des crimes par le biais des forces de la police, la Chambre de première instance a conclu que, je cite, « ou le fait proposé concerne les activités criminelles menées par la police » dans le cadre d'une municipalité de l'Arc, ce fait est considéré comme un fait qui est essentiel pour cette thèse de l'accusation. C'est au paragraphe 41. Et pour cette raison, la Chambre n'a pas dressé le constat judiciaire de ces faits dans l'intérêt de la justice. Et il y a encore un point important. Dans la Chambre de première instance, dans cette affaire, Stanisic et Jupianin ne s'est pas limitée sur les membres de la police sur lesquels cela s'applique, par exemple, en prenant en compte leur grade ou leur rang. Vu la thèse de l'accusation, elle a considéré que tous les membres de la police étaient... je cite, des proches subordonnés et des subordonnés immédiats de l'accusé. Cela démontre que, contrairement à l'assertion de l'accusation, paragraphe 30, que cela ne se limite pas seulement à ceux qui sont très proches par le rang à l'accusé. Si la Chambre de première instance dans l'affaire Mladic avait adopté cette approche, elle n'aurait pas exercé son pouvoir discrétionnaire, elle aurait refusé de dresser le constat judiciaire de faits jugés concernant les activités criminelles menées par ceux qui, selon l'accusation, étaient prétendument les subordonnés de M. Mladic, et cela a été fait dans l'intérêt de la justice et de l'équité. L'appelant soutient que le fait qu'il y a une telle divergence dans les approches adoptées par les chambres de première instance donc corrobore encore plus le besoin de se pencher à nouveau sur la décision prise par la Chambre d'appel dans l'affaire Caremera et dénoncer le critère juridique qui convient. Conclusion. Pour conclure, l'appelant souligne que il ne veut pas dire que la Chambre de première instance ne peut jamais dresser le constat judiciaire de fait jugé. L'appelant soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur lorsqu'elle a admis une certaine catégorie de faits, à savoir des faits concernant donc les activités criminelles menées par ceux qui, selon l'accusation, étaient prétendument les subordonnés de Mladic agissant sous ses ordres, puisque ces faits étaient suffisamment cruciaux pour la thèse de l'accusation concernant sa responsabilité pour ce comportement présumé. L'appelant invite la Chambre à conclure que la Chambre de première instance a commis des erreurs en exerçant son pouvoir discrétionnaire et invite la Chambre à annuler les conclusions pertinentes relevant de cette approche identifiée au paragraphe 107 et 108. Le moyen 2A2.
La Chambre de première instance a commis une erreur en appliquant le critère juridique strict sur les éléments de preuve en réfutation. Ces arguments de l'appelant concernant ce moyen sont au paragraphe 96 à 114 du mémoire d'appel et au paragraphe de la réplique 20 à 37. Donc, prendre donc le constat judiciaire selon l'article 94B donc permet de réfuter la présomption d'exactitude. Pourtant, comme la Chambre de première instance a reconnu au paragraphe 52-62, la charge de persuasion pèse sur l'accusation. Le appelant soutient que le critère appliqué sur les moyens de preuve en réfutation de la défense était restrictif et c'est pour cela que la défense n'a pas pu donc mener le débat concernant ces éléments de preuve et de réfuter les faits contestés. Je vais d'abord parler du critère énoncé dans la jurisprudence et dans le cadre de ce critère, il est dit que c'est à la défense qui pèse la charge de produire des éléments de preuve crédibles et fiables qui peuvent réfuter l'exactitude de faits jugés qui est mis en question. Mais donc le niveau de crédibilité et de fiabilité de ces éléments de preuve en réfutation, comme c'est là est dit dans la décision en réfutation d'Acaramera, est relativement bas, puisqu'il n'est pas donc demandé qu'une preuve définitive de crédibilité et de fiabilité est demandée, mais il faut montrer prima facie la fiabilité et la crédibilité sur la base des indices suffisants. Paragraphe 151. La Chambre de première instance elle-même a reconnu dans sa décision concernant des faits jugés que l'exactitude des faits pourrait, par exemple, être contestée par le biais du contre-interrogatoire des témoins de l'accusation ou par la présentation des éléments de preuve de la défense pour donc satisfaire ce critère. C'est au paragraphe 19. C'est pour cela que, contrairement à l'assertion de l'accusation au paragraphe 37 de la réponse de l'accusation, la défense n'a pas été demandé nécessairement de présenter des éléments de preuve en réfutation dans le cadre de sa thèse pour réfuter l'exactitude du fait jugé. Comme la Chambre a constaté dans cette décision, la défense aurait pu le faire en contestant les éléments de preuve de l'accusation pour souligner les incohérences et les points faibles de ces éléments de preuve. Mais malgré cela, la Chambre de première instance a imposé une condition supplémentaire erronée pour ce qui est des éléments de preuve présentés par la défense pour que les éléments de preuve soient sans équivoque. Maintenant, la Chambre de première instance a expliqué au paragraphe 52-73 de quelle manière la défense aurait pu contribuer au débat. Je cite, soit en présentant des éléments de preuve quant à un scénario alternatif spécifique, plutôt que de ne faire qu'une suggestion de scénario alternatif possible, ou dans une démonstration non ambiguë, un scénario tel que trouvé dans les faits jugés doit être raisonnablement exclu comme étant vrai. Fin de citation. Pour expliquer davantage ce que cela veut dire que de prendre en compte scénario alternatif entre guillemets, l'exemple qui a été donné, c'est le seul exemple dans la note de bas de page de ce paragraphe qui se lit comme suit, je cite, si un fait jugé décrit ceci, B a tué C et que la Chambre de première instance a reçu des éléments de preuve selon lesquels C était possiblement, probablement tué par A, fin de citation. À ce moment-là, elle avait dit que cela serait considéré non suffisant pour rencontrer le seuil d'un élément de preuve non ambigu, note de bas de page 18 018. Donc 18 018. Prenons maintenant cela
comme thèse pour quelques instants. Analysons ceci. Si quelque chose est possible ou probable, il existe un doute. Et chaque fois qu'il existe un doute, à ce moment-là, comme cela est de fait dans le droit pénal, ce droit doit toujours aller en faveur de l'accusé. Pour s'attendre à ce que la défense présente des éléments de preuve sans doute, cela veut dire qu'il serait à ce moment-là important de renverser la charge de la preuve et d'imposer un standard restrictif et de prouver cela au-delà de tout doute raisonnable. Et cela qui s'ensuit, c'est que lorsque l'on pose des questions dans le cadre de contre-interrogatoire aux témoins de l'accusation, à ce moment-là, les incohérences ou les faiblesses ne seraient pas suffisantes. Donc, à la suite de l'exemple présenté par la Chambre de première instance pour contester la précision d'un fait jugé sur la base de sa norme, la défense devrait prouver au-delà de tout doute raisonnable que C a été tué par A. Et à ce moment-là, il aurait fallu que cela soit fait en présentant des éléments de preuve à cet égard. Il n'y a pas de base, de fondement juridique pour cette norme. Le fait que la Chambre de première instance ne cite aucune autorité pour cela, au paragraphe 52-73, en fait, et indique clairement ce fait. Au prochain paragraphe, 52-74, la Chambre de première instance a dit que, je cite, elle tenait en compte que les éléments de preuve contredisant les faits jugés ne réfutent pas automatiquement les faits jugés. Fin de citation. La défense a également dû démontrer que les éléments de preuve apportés étaient fiables et crédibles. Le test de fiabilité et de crédibilité était donc une considération secondaire. En tant que tel, l'appelant affirme que la Chambre de première instance a imposé un fardeau supplémentaire que la défense devait avoir avant de pouvoir arriver à une norme acceptée avant de pouvoir contribuer au débat. Mais l'appelant sous-tend que cette chambre de première instance devrait être satisfaite que le critère restrictif a été appliqué si l'on tient compte de cette méthodologie. La conséquence de cette erreur est que l'appelant a identifié les conséquences de cette erreur au paragraphe 106 à 113 du mémoire d'appel et au paragraphe 22 à 37 de la réplique. Toutefois, voici un exemple de l'approche erronée de la Chambre de première instance. La Chambre peut voir de quelle manière le test au paragraphe 52-73 a été appliqué en pratique. Incident non répertorié, 24 octobre 1994, paragraphe 2001 à 2002 du jugement. La Chambre de première instance s'est appuyée sur des faits jugés disant que les tirs provenaient d'un endroit inconnu des tireurs embusqués du SRK et que les tirs avaient été tirés par des membres du SRK. Paragraphe 2752, faits jugés, plutôt paragraphe 2001, faits jugés 2752 et 2753. La défense a avancé que les éléments de preuve reçus par l'expert de l'accusation étaient fautifs. Ils ont également eu un témoin de la défense qui disait que les arbres bloquaient probablement la vue. La Chambre de première instance a soutenu que le fait que probablement que les arbres cachaient probablement la vue n'était pas suffisant pour contredire fait jugé. De plus, les éléments de preuve de la défense étaient déficients parce qu'ils se sont appuyés sur des faits jugés au lieu de. Fin de citation, paragraphe 2002.
Donc, même lorsque la défense peut introduire un doute par le truchement d'un expert et peut également montrer des lacunes dans les éléments de preuve de l'accusation, cela n'était pas suffisant pour faire en sorte que les faits jugés, la précision des faits jugés soit contestée. Si le débat avait été étoffé, les éléments de preuve de l'accusation n'auraient pas été suffisants pour rétablir la précision des faits, à savoir si une ligne de mire claire était possible, puisqu'il n'aurait pas été possible de surmonter le doute créé par l'expert de la défense et la faiblesse de ses éléments de preuve. L'appellant sous-tend que la norme appliquée par la chambre de première instance dans les était erronée et l'approche montrée par la défense ne fait que étoffer le débat et que cela, en fait, est une lacune. Ceci a vicié l'approche de la chambre de première instance pour ce qui est des faits jugés dans l'ensemble du jugement. Les exemples qui ont été fournis dans le mémoire de l'appellant démontrent l'existence de cette erreur systémique telle que l'approche de la chambre de première instance, en fait, cette approche donc pour tous les faits jugés est remise en question. L'appellant affirme que cette chambre de première instance peut être satisfaite que la chambre de première instance a appliqué une erreur discernable et appliqué la norme afin de dire que aucune chambre de première instance raisonnable n'aurait rendu cette décision et invite la chambre d'appel de renverser cette décision et ce jugement pour corriger cette erreur. Madame le juge, monsieur, mesdames les juges, je vais donner la parole à monsieur Ivetic qui vous parlera du moyen d'appel numéro 4. Monsieur Ivetic, monsieur le président, madame, monsieur, madame la présidente plutôt, monsieur, madame le juge, encore une fois, je voudrais dire que je réserve tous les droits et je proteste très fermement quant à l'apparence ou ma présence d'aujourd'hui. Encore une fois, sans la capacité de préparer de manière importante avec mon client et sans pouvoir recevoir, sans s'être posé la question de savoir si ce dernier peut participer, je dois dire que je suis limitée par mes responsabilités éthiques et je dois vous donner un résumé très limité et succinct quant aux erreurs commises par la chambre de première instance, car ces dernières visent les conclusions d'une entreprise criminelle principale et parlent de la culpabilité de mon client à la participation de cette dernière. Et cela, en fait, se représentera le moyen 3 de cet appel. Mon objectif est de mettre en exergue la thèse selon laquelle mon client souhaite préserver ses droits. En ce faisant, je ne vais pas dire que ma participation donc à cette procédure est une procédure appropriée. Je ne veux donc pas non plus dire que ce que je dirais dans cet appel, je peux le renoncer. Donc, comme cela a été dit dans l'entreprise criminelle commune, le jugement est plein d'erreurs, de manière à ce que ce jugement est vicié, et c'est la raison pour laquelle cette chambre d'appel devrait se pencher sur cette décision afin de pouvoir corriger ces erreurs au vu de servir l'intérêt de la justice et de permettre à notre client, à M. Ratko Mladic, d'avoir résultat conformément aux normes juridiques. Parlons maintenant de la portée géographique temporelle. La chambre de première instance a adopté une approche erronée s'agissant d'une évaluation des éléments de preuve de manière générale et il y a eu donc un manquement d'appliquer de manière appropriée la norme juridique acceptable, ce qui a mené à des conclusions erronées
quant à une entreprise criminelle commune principale. Pour commencer, je voudrais attirer votre attention sur la portée temporelle et géographique qui a été trouvée par la Chambre de première instance au paragraphe 42-32 et dans notre appel au paragraphe 194. L'entreprise criminelle commune principale est définie comme étant une entreprise qui aurait débuté en 1991 et a duré jusqu'au 30 novembre 1995 et est limitée à la portée géographique de la Bosnie-Herzégovine. Il s'agit d'un principe fondamental du droit pénal qu'il doit y avoir une coexistence temporelle de l'intention morale et de l'intention requise du comportement. Pour ajouter aux affaires qui ont été citées dans le mémoire de l'appel, dans le jugement d'appel d'Akimana au paragraphe 313, je cite, « Le tribunal devrait avoir juridiction de condamner un accusé seulement lorsque tous les éléments qui doivent être démontrés afin de pouvoir établir sa culpabilité sont réunis. Et par la suite, dans cette même section, l'on peut lire les actes ou la conduite ou les omissions de l'accusé sous tout mode de responsabilité auquel on se réfère à l'article 6.1 et 3 du statut de 1994, et à l'époque où ces actes et omissions, l'accusé avait le mens rea, à savoir l'intention morale, afin de pouvoir être trouvé coupable conformément au mode de responsabilité. Je dois simplement vous aviser que la présidente a perdu le signal de nouveau. Right. We were... Très bien, dit Madame la Présidente. Je suis de retour. Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.
Merci, Madame le juge. Voilà, je suis maître Ivetic. Je vais continuer à l'endroit où le compte-rendu d'audience s'est arrêté. Je voudrais également citer le jugement, l'arrêt d'appel de Simba, paragraphe 266, qui dit, je cite, la question qui se pose, c'est de savoir si au moment de la commission, les auteurs étaient animés de l'intention nécessaire de l'élément moral. Et en effet, dans l'arrêt d'appel, Naletilic Martinovic, dans cet arrêt, l'on a suivi cette même approche au paragraphe 114. Et d'ailleurs, votre collègue estimé, le juge Touzmoukhamedov, qui a dit que l'on pouvait l'appeler juge T, a également appuyé cette même approche dans son opinion dissidente dans l'arrêt Cheinovitch au paragraphe 8. Selon les paroles de juge T, ni le comportement avant la période de l'entreprise criminelle commune, ni toute action de la part de l'accusé par après n'aurait pu raisonnablement constituer une contribution importante, considérable, à l'entreprise criminelle commune. Nous avons présenté nos arguments dans le cadre de notre appel que la Chambre de première instance a commis une erreur dans son approche et surtout lorsqu'il est question du fait que l'on ait tiré l'élément moral de par les déclarations allant au-delà de l'entreprise criminelle commune principale en 1991 en Croatie et non pas en Bosnie-Herzégovine. Appel, paragraphe 304. Tout d'abord, je note que l'acte d'accusation a allégué que M. Mladic n'était pas considéré comme faisant partie de l'entreprise criminelle commune principale jusqu'au 12 mai 1992, lorsque il a été nommé chef de l'état-major de la VRS. Paragraphe 5 de l'acte d'accusation modifié numéro 4. Donc avant ce mois-là, il n'était pas présent sur le territoire de Bosnie-Herzégovine. Et il ne se trouvait pas non plus au sein de la structure de commandement de l'armée de la VRS, puisqu'il était à ce moment-là en Croatie et que l'armée de la JNA à l'époque s'y trouvait. Appel, notre appel à nous, donc, paragraphe 203. En effet, la première erreur de la chambre de première instance, c'est qu'elle a violé la jurisprudence mentionné en essayant d'attribuer ses discours à la Bosnie-Herzégovine en 1991 lorsque M. Mladic n'était ni temporellement ni géographiquement lié à ces événements. Notre appel, paragraphe 203. M. Mladic ne faisait pas partie de la chaîne de commandement pour recevoir des rapports quant aux événements. Ce n'est pas à lui que l'on se reportait. Et certainement, il ne pouvait pas non plus envoyer des ordres aux personnes se trouvant en dehors de sa chaîne de commandement, soit pour commettre ses crimes ou en punir les auteurs. La deuxième erreur à cet égard, c'est que la chambre de première instance fait une analyse de ce que d'autres, à savoir les politiques, la police ou d'autres groupes armés. Maître Ivetic, je suis vraiment navrée de vous interrompre, dit le greffier d'audience, mais nous avons perdu l'un des juges. Pourriez-vous vous arrêter quelques instants, Maître Ivetic? Oui, certainement.
I think I need to talk. Dois-je dire quelque chose? Dit Madame le juge Nyambé. Je crois que mon micro est fermé. Inaudible. Good afternoon, Judge. Bonjour, chers collègues. Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire, est-ce que vous m'entendez? Je crois que l'un de nos juges a perdu la connexion. Je crois que le juge Kam est de retour, mais je crois qu'il y a un autre juge qui est déconnecté et l'on nous demande en fait de prendre une pause d'une heure maintenant. Donc le service technique souhaite que l'on prenne une pause d'une heure maintenant. Nous pourrons reprendre les débats à 13h25, heure de la haie. Est-ce que cela convient à toutes les parties? La défense n'a aucune objection. Pour ce qui est du greffe, ou bien plutôt, je m'adresse au service technique. Est-ce que tous les juges sont là? Les juges sont-ils tous présents? Le greffier d'audience, le service technique est en train de se pencher sur ce problème et nous allons reprendre les débats dès que cela sera possible. Can everybody hear me? Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Dit la présidente. Nous pouvons vous entendre, dit le greffier d'audience. Nous allons maintenant prendre une pause d'une heure. Veuillez vous lever.